Le chantier du troisième pont a été visité ce matin par deux personnalités. Il s'agit des ministres de l'Environnement et de l'Infrastructure. Les deux membres du gouvernement étaient allés se rendre compte des travaux engagés pour l'assainissement de la baie lagunaire de Cocody d'une part et constater d'autre part la coulée du dernier pieu du pont Henri-Conan-Bédier. Alexis Ouédraogo. 10 h ce samedi sur la lagune ébriée, une barque. À son bord, les ministres Patrick Hachi et Alaa Kouadio Rémy. Le temps d'une visite de la baie lagunaire, le ministre de l'Environnement annonce l'imminence de dispositions pratiques pour assainir la zone. Des moyens accrus seront mis en place pour pouvoir donc enlever toutes ces personnes qui sont là, qui n'ont pas à y être, mais également aussi réhabiliter cette berge lagunaire pour que du pont, on puisse avoir une vue qui soit séante. Alors que la date de livraison du pont fixée au 22 décembre prochain s'annonce à grands pas, les travaux, eux aussi, avec la coulée ce samedi du dernier pieu de l'ouvrage. Aujourd'hui, on pose le dernier pieu, le 62e pieu de ce pont. Là, la pose du dernier pieu veut dire que tous les autres travaux sont des risques mineurs et que la probabilité pour que le pont s'achève dans les délais est quasi certaine. Le ministre Patrick Hachi n'a pas manqué d'encourager les travailleurs de la plateforme. On a des ponts qui vont se faire, le quatrième pont, le cinquième pont, qui normalement devrait démarrer cette année, l'année prochaine. Donc il y a beaucoup de travail qui va se faire. On leur souhaite vraiment de trouver du travail, mais on est fiers d'eux. Et pour respecter la tradition qui veut que des mots soient laissés pour cette dernière coulée, des mots ont été couchés sur du papier pour souhaiter bonne chance au troisième pont.